Alors, cette année, ce qui était prévu, c'est que normalement, il devait y avoir 4 heures de CCF. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, ils sont notés, vous voyez, ce qu'on appelle l'épreuve 1, elle comprend 3 CCF. Donc, il y en avait un de prévu en français et ESC, donc c'était un oral. Un deuxième, histoire, géo, éco. Et un troisième, maths, physique. Ok? Donc, suite au confinement, les notes de service que nous, on a de l'autorité académique qui gère l'obtention des diplômes, les CCF ne seront pas faits l'année prochaine. C'est-à-dire que les CCF sont annulés. Ok? Donc, on ne fera pas d'épreuve de CCF l'année prochaine pour remplacer ce qui aurait dû se faire, je crois que c'était prévu la semaine prochaine, normalement. Oui, c'est ça. Voilà. Après, il y avait aussi une épreuve pratique. Donc, à savoir, là, c'est dans l'épreuve 3, il y avait donc la cuisine et le TP entretien. En ce qui concerne les matières d'enseignement général, on va dire l'épreuve E1, le SC, le français, histoire, géo, éco, les maths et la physique, on va vous mettre une note, ce qu'on appelle de contrôle continu. Alors, qu'est-ce que ça peut être une note de contrôle continu? C'est une note de tout ce qu'on a eu. Voilà, tout simplement. On va remplacer les épreuves CCF, en fait, par les notes que vous avez obtenues dans l'année. Donc, par exemple, pour le premier CCF, on va ajouter et les notes de ESC que vous avez déjà eues et les notes de français. On va faire une moyenne et ça donnera votre note de CCF 1 de l'épreuve 1. Pour le CCF 2, on fera pareil, on prendra les notes que vous avez obtenues en histoire géo avec Monsieur Pouget et les notes que vous avez eues avec moi en économie. On fait la moyenne, ça donne la note de l'épreuve 2, enfin la note du CCF 2 de l'épreuve 1. Et pareil pour les maths et la physique. Alors, cependant, enfin moi je sais qu'en économie, vous avez eu 2 devoirs cette année, dont un qui était plutôt bon pour tout le monde et un qui était extrêmement mauvais. Donc je pense que l'année prochaine, on va rattraper en quelque sorte, on vous fera, enfin moi en tout cas je pense qu'en économie, j'essaierai de vous faire au moins un contrôle pour faire en sorte que vous ayez quand même une note supplémentaire pour rattraper éventuellement les mauvaises notes que vous avez pu avoir en seconde. Parce que je peux imaginer que d'ici la fin de l'année, entre mars et juin, j'aurais fait au moins un autre contrôle avant le CCF, qui n'a pas pu se faire. Alors, pour le... comment dirais-je? Pour la cuisine et l'entretien. Donc là, c'est clair que moi, j'ai pas de notes. Je vous ai vu 2 fois. J'ai eu 2 cours de TP entretien avec vous. Alors, je ne sais pas dans quel groupe vous étiez. Qu'est-ce que vous avez fait avec moi en TP entretien? Est-ce que vous vous rappelez? On avait fait la cuisine et la salle à manger. Voilà. Donc, toi, tu étais dans le groupe qui a fait nettoyage des tables, des chaises et le sol. Et il y a un autre groupe qui a dû faire l'entretien des chambres. Moi, j'ai fait les deux. Et moi aussi. Vous avez tous fait entretien des chambres et entretien de la cuisine? Sarah, toi non. Qu'est-ce que tu as fait toi? Tu en as fait un? Toi tu as fait l'entretien des chambres. Voilà. Donc l'année prochaine, en début d'année, que ce soit en cuisine ou en entretien des locaux, on fera au moins un cours ou deux. D'accord? Et on vous notera sur voilà, le travail que vous ferez pendant ces cours pour avoir une note de contrôle continu. Ça, c'est donc les épreuves qui auraient dû avoir lieu cette année, mais il y en a qui sont prévues pour l'année prochaine. Donc il vous reste 3 épreuves. Donc Madame Roy a mis, Madame Le Borgne a bien mis, hein, il reste 3 CCF. Donc, il reste 2 CCF en pratique. Un en TP animation. Donc, c'est les cours que vous avez avec Monsieur Mallard, je pense. Oui. Voilà. Et un CCF en TP santé que vous faites avec Madame Le Borgne, j'imagine. Voilà. Donc ça, ces CCF-là, ils auront lieu. Vous voyez que le TP santé, il a un gros coefficient, il est coefficient 2. Donc ça veut dire que Mme Le Borgne fera aussi certainement, comment dirais-je, un ou deux TP
avant de vous évaluer pour rattraper ce qui n'a pas pu être fait cette année, tout simplement. Ok ? Et ensuite, eh ben, il restera l'épreuve E2, donc, c'est-à-dire l'oral sur vos fiches activités. Ça vous rappelle quelque chose ? Mmh. Ouais. Voilà, oui, parce qu'une fiche entretien des locaux, c'est obligatoire pour l'examen. Donc ça veut dire qu'en fonction du stage que tu vas faire, il faudra que, voilà, de toute façon, peu importe le stage que tu vas faire, il y aura certainement un moment dans le stage où tu seras à faire de l'entretien, donc tu pourras faire la fiche à ce moment-là. Mmh. Il n'y a pas de souci. Donc sachant que toutes celles pour qui on n'aura pas les fiches ne peuvent pas passer le BEP. C'est-à-dire que le BEP, c'est mort. Vous ne l'aurez pas, de toute façon. Donc, voilà. Donc l'année prochaine, ben pour vous, pour les autres aussi, il reste deux fiches à faire. Hein, puisqu'il y en a cinq à présenter le jour de l'examen. Donc de toute façon, pour tout le monde, il y aura une fiche... aide à la personne, ce qu'on appelle la personne aidée. Donc, en règle générale, ici, les élèves le faisaient sur le stage personne âgée, vous n'avez pas pu faire. Donc, ça veut dire qu'on va vous demander, pour l'année prochaine, de chercher principalement auprès de personnes âgées pour pouvoir faire cette fiche-là. Donc oui, vous aurez une fiche activité sur l'aide à la personne. Donc, on vous expliquera, il y aura une prépa stage comme d'habitude, comme cette année. Hein. On vous expliquera sur quelle... Sur quel exemple ? Voilà, quel type d'activités peuvent être présentées dans l'aide à la personne. Ça peut être, oui, ça peut être une aide à la toilette, ça peut être... Un transfert. Un transfert, par exemple, aller chercher un résident en salle à manger et l'amener à sa chambre ou inversement, etc. Mais il faut vraiment que ce soit de l'aide à la personne. Donc, par exemple, du service en salle, c'est pas bon. C'est pas de l'aide à la personne. D'accord ? Il faut vraiment que ce soit individualisé, en fait. Donc une animation, c'est pas bon non plus. À moins que vous soyez vraiment à côté d'une personne, vous soyez vraiment en aide de cette personne-là. Non, souvent, on se retire, les personnes qui n'aiment pas, par exemple, le coupé, les ciseaux, on les aide à faire. Oui, pourquoi pas. Et l'année dernière, quand j'étais en troisième, j'étais aussi allée là-bas, et j'étais partie chercher une résidente dans sa chambre. Voilà, ça c'est intéressant parce qu'il y a vraiment l'aspect déplacement. Comment je mets la personne en sécurité, elle me prend le bras, ou est-ce que je la mets sur un fauteuil, comment je mets ses pieds, tu vois, tout ça. Et puis l'aspect communication aussi avec la personne. Donc c'est vrai qu'un transfert, il y a pas mal de choses à dire sur cette fiche activité. C'est-à-dire que si tu fais de l'animation, en fait, tu es juste à côté de la personne. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas la mise en sécurité, elle est déjà là, donc c'est peut-être un peu moins facile. Le tout, c'est de trouver une situation qui soit le plus facile pour lui. Alors, voilà, et puis donc une fois que vous aurez fait cette fiche aide à la personne aidée, hein, ça pourrait aussi être dans une clinique, l'aide à un malade, auprès d'une personne handicapée. Et donc là, vous aurez quatre fiches. Donc, restauration, c'est fait l'année dernière. Entretien des locaux, c'est fait l'année dernière. Aide à la petite enfance, c'est fait l'année dernière. Cette année, donc, vous allez faire aide à la personne aidée. Et comme il en faut 5, vous allez choisir un domaine et vous allez refaire une deuxième fiche. Alors les élèves ont toujours un mal fou à comprendre ça. Il y a 4 domaines obligatoires, mais il faut 5 fiches. Donc fatalement, dans chaque domaine obligatoire, vous avez une fiche. Et la cinquième, ben, vous refaites un des domaines obligatoires. Ben, est-ce que tu comprends ? Oui. Oui ? Alors vas-y, explique. Ben, il y a 4 domaines obligatoires. Et il faut 5 fiches. Oui, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais imaginer faire, toi, comme 5e fiche ? Bah, dans la petite enfance. Dans la petite enfance. Dans la petite enfance, par exemple. Si tu vas en crèche. Mais tu vas pas en crèche. Non. Donc ? Je sais pas. Ben, je prends l'exemple de Zakia, qui a fait... sur l'entretien des locaux, elle a fait le nettoyage des plans de travail. D'accord ? Là, elle va aller en maison de retraite, elle peut faire l'entretien du studio. Donc, elle aurait 2 fiches dans l'entretien des locaux, une petite enfance, une personne aidée, une restauration. Juliette, je ne sais pas si tu as fait une fiche restauration, tu étais dans un collège en restauration collective ? J'étais avec des lettres, à Brest. D'accord, ok. Alors, je sais pas, peut-être que tu as fait... Qu'est-ce que tu as fait comme fiche en restauration ? Je crois me souvenir, j'ai fait le service. Le service.
Ben là, à l'EHPAD, si tu vas en cuisine, par exemple, tu pourrais très bien faire une fiche activité sur la préparation d'une entrée, par exemple, avec les règles d'hygiène, les températures, les échantillons, enfin, voilà. Vous avez un des quatre domaines dans lequel vous aurez deux fiches, en fait, tout simplement. Ouais, Sarah, ça te parle? Oui? Bon. Donc ça, c'est pour l'année prochaine. Le BEPA. Le BEPA. Et donc, une fois que vous aurez vos cinq fiches activité, plus une fiche contexte, vous avez déjà fait deux cette année, okay, vous avez présenté l'école maternelle et vous avez présenté votre stage en restauration collective aussi. Vous vous rappelez? En mettant le nom, l'adresse, le site internet, etc., etc. Une fois que vous aurez tout ça, on mettra tout ça dans un classeur. Et là, vous aurez une épreuve orale. D'accord? C'est l'épreuve numéro 2. Une fois passé ce BEPA, qu'est-ce que vous allez passer? Balbec. Voilà. Balbec. Ouais. Vous allez commencer à préparer le bac qui aura lieu donc en fin de terminale. Donc, dans le document que je vous ai distribué, vous avez le planning de l'année prochaine. Ok, et donc, vous avez pour les premières les différents thèmes de stage. Le premier, quel est-il? Service aux personnes. Ouais, et il sert à quoi? À finir de valider le BEPA. On est d'accord. Ensuite, alors, les objectifs de ce stage-là sont dans votre carnet de liaison. Alors, le deuxième stage, c'est sur le territoire, c'est-à-dire, en fait, vous aurez comme activité, notamment, un aspect administratif, mais ça ne doit pas être que de l'administratif. Ce n'est pas un stage secrétariat que vous allez chercher. Mais il y en aura. Ce qu'on va vous demander à travers ce stage, c'est de comprendre que votre structure, elle travaille sur un territoire et en lien avec le territoire. Donc la médiathèque de Saint-Renan, elle ne fait pas que recevoir des gens et puis leur filer des bouquins, d'accord? Elle accueille aussi des groupes de personnes âgées, des associations, elle va à l'extérieur, elle va voir des personnes âgées à l'EHPAD, distribuer des livres, etc., etc. Elle accueille les élèves de la maison familiale. Qui sont sur son territoire, d'accord? Si je vais, si j'habite Saint-Renan, je vais à la médiathèque à Brest, par exemple, je n'aurai pas les mêmes tarifs que si je vais à celle de Saint-Renan. Il vous a donné, non? Vous vous rappelez pas? Vous avez dû avoir une plaquette avec les tarifs. Vous n'avez pas eu? Non. Nous, on a eu une plaquette avec les tarifs et il expliquait que les gens qui sont sur le territoire payent moins cher que les autres. Donc si moi, je prends une carte d'abonnement à la médiathèque de Saint-Renan, je vais payer plus cher que... Personne n'habite Saint-Renan ici, mais que quelqu'un qui habite Saint-Renan, parce que je ne fais pas partie de ce territoire. Donc c'est tous ces aspects-là auxquels on va vous demander de réfléchir sur le territoire. Et vous reverrez ça après en classe de terminale également. C'est très important. Donc vous avez dans le document distribué, vous avez des exemples d'activités que vous aurez à réaliser et des lieux de stage possibles. Possible. Ce n'est pas une obligation. Vous avez les EHPAD, alors reprenez pas les mêmes structures que vous avez déjà faites. Résidence senior, foyer logement, service d'aide ou de soins à domicile, crèche, maison d'accueil d'assistants maternels, centre aéré, établissement occupatoire. Non, ça c'est pour le premier stage. Non, ça peut être aussi pour le deuxième. Ah oui, on est sur le deuxième. Oui, on est sur le deuxième. Et donc ça, ce sont des stages que vous avez déjà abordés, mais vous pouvez ouvrir vos lieux de stage aux collectivités territoriales, donc on a dit mairie, communauté de communes, etc. Les bibliothèques, médiathèques, comme Madame Leroy vous l'a dit, salle de spectacle, cinéma, tout ce qui est animation, donc centre de loisirs, maison pour tous, maison de quartier, patronage laïque. Dans le domaine de l'enseignement, donc collège, lycée, en sachant que ça sera l'aspect vie scolaire. Si vous allez dans un collège ou un lycée, vous devez être... passer au secrétariat et après aller sur ce qui est vie scolaire. Donc pas de retour en cuisine par exemple. Ça peut être la cantine, l'accompagnement des enfants, mais on ne va pas retourner en restauration.
Tout ce qui est structure d'hébergement, auberge de jeunesse, gîte, auberge, hôtel, les musées nationaux et associations de promotion de vieux métiers. Par exemple, cette année, il y aurait dû avoir des élèves au musée de la presse, Fort Montbarré à Brest. Qu'est-ce qu'il y avait ? Je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il pourrait y avoir Océanopolis, par exemple. D'accord. Tout ça sont des structures où on va avoir un secrétariat et après une action sur le territoire, de l'accueil de public, par exemple. D'accord ? Ou bien de la promotion du territoire. Donc ça va être comment on met en valeur les atouts, par exemple, de la commune de Brest, à travers l'office de tourisme. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est très intéressant aussi. Bon. Donc ensuite, vous allez avoir le stage MAP. Donc vous voyez, c'est une semaine. Qui a lieu au mois de mars. Donc là, on est déjà très loin dans l'année, mais voilà. Donc c'est un module spécifique animé par Monsieur Pichon et Madame Le Borgne Sylvie. Et vous aurez une semaine. Alors, vous restez sur deux thèmes, sport adapté et bien-être et estime de soi. Vous choisirez un des deux thèmes. Voilà, en début d'année, donc l'année prochaine, on va retrouver la même ossature de la classe, les mêmes élèves. Il n'y a que Renaud qui ne revient pas, je crois. Oui. Normalement, tous les autres reviennent. Plus, donc, je ne sais pas si tu en as parlé, des CAP et des élèves qui viennent de l'extérieur. Donc, soit suite à une seconde qui intègre, soit à la fin d'un CAP ou d'un autre bac. Voilà, qui vont vous rejoindre, et on divisera la classe en deux. Donc, normalement, vous avez le choix. Est-ce que vous préférez sport adapté ? Donc, ça peut être adapté à la petite enfance, ça peut être adapté à la personne âgée, du sport adapté à la personne en situation de handicap, ou bien, alors, tout ce qui est bien-être, estime de soi aussi. Mais comment on doit travailler ça, par exemple, avec des personnes qui sont à l'hôpital, des personnes qui sont malades, etc., etc. Et il faudra donc que vous trouviez une semaine de stage en lien avec votre thème. Donc, je pense à, je crois que c'est Linda, une élève de terminale, là, qui avait fait le stage son thème, c'était bien-être et estime de soi. Elle avait fait son stage chez un coiffeur. Mais un coiffeur qui travaillait avec une association, vous savez, pour les femmes qui ont fait de la chimiothérapie, qui ont perdu leurs cheveux. Oui, ça vous dit quelque chose, quand on a un cancer, qu'on fait de la chimiothérapie, voilà, certaines personnes vont perdre leurs cheveux. Et elle avait travaillé avec un coiffeur, justement, qui travaillait soit sur la perruque, soit, vous savez, le port, c'est très à la mode, des turbans et machin, des jolis nœuds, des jolis tissus, etc. Pour permettre à ces personnes d'avoir confiance en elles, de se sentir quand même bien dans leur peau, même si elles n'ont plus de cheveux. Voilà pour le stage MAP. Ensuite, vous aurez un stage Europe. Alors, donc normalement, les élèves partent à Malte, en Irlande. Les Pays-Bas. Pays-Bas. En sachant qu'avec le Covid pour l'instant, les structures de stage sont assez frileuses pour nous accueillir. Irlande ? Alors, les Pays-Bas, c'est où ? C'est tout petit. C'est là, c'est tout petit, d'accord ? Et Malte, c'est quelque part par ici. C'est petit aussi. C'est tout petit aussi. Alors, je vois Chypre, je vois la Crète. Mais c'est dans ce coin-là aussi, hein, c'est en Méditerranée. Pour l'instant, il y a ça. Il y aura peut-être d'autres pays. Mais... Ou peut-être que certains n'ouvriront pas les lieux de stage, enfin, n'ouvriront pas l'accueil de stagiaires, puisque c'est aussi une crainte pour certains pays. Donc voilà, donc, c'est prévu 3 ou 4 semaines. Donc vous voyez, il y a une semaine sur les vacances, parce que certains jeunes souhaitent partir 4 semaines. Donc après, c'est des séjours qui sont financés par l'Union européenne. Donc ça veut dire que les parents, je crois que la participation des parents est de 250 euros. C'est ça. Et ensuite, vous avez un travail administratif important à faire, parce qu'il faut garder tous les tickets que vous avez pu avoir dans le pays où vous êtes pour prendre le train, pour prendre le bus, quand vous allez faire vos courses pour éventuellement manger, etc. etc. Et puis, vous avez une bourse pour y aller, en quelque sorte. Donc il faut savoir gérer son budget. Si on vous donne 400 euros pour vos transports et vos repas du midi, faut pas aller acheter des fringues à la place. Quoi. Donc après, vous serez regroupés par 2 ou 3 par lieu de stage. Les logements, alors, c'est en famille. C'est en famille d'accueil. D'accord. Mais vous êtes minimum 2 dans chaque famille.
Et après, bah, vous choisissez les pays en général, c'est plus en fonction des lieux de stage qui vous intéressent. Donc si c'est la petite enfance, je vais dire n'importe quoi, si c'est la petite enfance, c'est peut-être les Pays-Bas. Si c'est plus de tourisme, ça peut être l'Irlande. Si c'est plus maison de retraite, ça va être Malte. Enfin voilà, d'accord. Après, vous choisissez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, et donc c'est tel pays. Donc là, on vous accompagne sur le trajet aller, l'installation en famille d'accueil, les premières visites de stage. Voilà, première visite de stage. Et ensuite, les formateurs rentrent en France, et vous, vous restez tout seul, et vous revenez tout seul. Car ou le train, pour aller à l'aéroport, prendre l'avion tout seul, arriver à Paris, aller jusqu'à la gare, reprendre le train pour revenir à Brest, etc., etc. Mais bon, c'est plus loin sur l'année, et puis vous aurez toutes les explications, les informations. Bien sûr, on n'a jamais perdu personne. Donc. Et vous finissez l'année sur un stage projet professionnel. Alors, soit c'est le lieu de stage examen que vous voulez valider en quelque sorte, avoir une première approche de votre lieu de stage examen pour la terminale, soit c'est pour peaufiner votre projet professionnel. Voilà, vous choisissez une structure en lien avec votre projet professionnel. Sachant qu'il faut quand même changer régulièrement de lieu de stage. Je sais pas, j'imagine, là par exemple Juliette, tu vas aller au Stréatine, d'accord, c'est ton premier stage au Stréatine. Imaginons que tu souhaites y retourner en stage examen, en classe de terminale, le stage en projet pro ne fera pas aller là. D'accord, on ne peut pas aller trois fois sur le même lieu de stage. Déjà deux fois, c'est déconseillé. Donc si tu vois qu'Austréatire, c'est vraiment ce que tu as envie de faire, travailler avec les personnes âgées, que vraiment ça t'intéresse, ben, ça veut dire qu'il faudra peut-être trouver un autre EHPAD. Donc après, ça peut être aller sur le Trécir ou aller sur Cousané. Après, tout est une question aussi de lieu, enfin de transport, comment on peut se déplacer. Et puis, une question de motivation. Si je m'y prends suffisamment tôt, je vais obtenir le stage. Si je m'y prends 15 jours à l'avance, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Pour l'instant, vous avez des projets professionnels définis. Maëva, tu sais avec quel public tu aimerais travailler? Les enfants. Les enfants. J'aimerais bien faire du service de la maman. Travailler à la fenêtre en service. Donner le repas et tout. Service. Restauration. Donc en restauration. Oui. Mais auprès de personnes, de quel type de public? Je sais pas. Je veux bien faire le service. Oui, mais alors, si tu veux bien faire le service, c'est pas le même pro service à la personne. Oui. C'est, je veux dire, nous, on ne forme pas des serveuses. Oui. Donc, tu ne pourras pas faire tes stages que en service. Oui, oui. Alors, il faut que tu détermines avec quel public tu as envie de travailler. D'accord. Et ensuite, on peut travailler avec des agents de service, effectivement, mais ça sera qu'une toute petite part des activités que tu pourras faire. Oui. Et toi, Sarah? Les enfants et les bébés. D'accord. Bon, très bien. Il reste à présenter les CCF de Bac Pro Sabat. Je te laisse. Voilà. Alors, t'as un crayon, parce que ça serait peut-être... un crayon bleu. Ah, un feutre. Un truc pour écrire. Bah, tiens. Ouais. Alors, pour le bac pro, il y a une épreuve E1, comme en BEPA. D'accord ? Au BEPA, il y avait l'épreuve E1 avec à l'intérieur 3 CCF. Donc, dans l'épreuve E1, c'est principalement l'éducation socio-culturelle. Dans cette épreuve 1, il y a 3 CCF. Donc il y a un CCF numéro 1, puis un CCF numéro 2. Est-ce qu'ils vont trouver le troisième et un CCF numéro 3. 3, wouh ! Alors nous sommes à l'épreuve 1 dans laquelle il y a 3 CCF. Et il y en a un qui se déroule en classe de première, c'est le CCF numéro... Alors on cherche E1. Tu vois, il y a E7, 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 E1, wouh ! Alors, voilà, donc celui-là, vous le ferez
l'année prochaine. D'accord ? Nous, on est un peu compliqué à Saint-Renan. On fait 3, 2, 1. D'habitude, on fait 1, 2, 3. Mmh. Nous, c'est pas comme ça. Alors, ça, c'était la première épreuve. Ensuite, il y a une épreuve E2. Le 2, c'est l'anglais. Et donc, effectivement, comme pour le 1, il y a des CCF. Donc, il y a un CCF 1 et un CCF 2. Et lequel a lieu en classe de première ? Qui va trouver la réponse ? Numéro 1. Oui. Le numéro 1. D'accord ? Donc, c'est une partie, il me semble, orale et une partie écrite. Ouais, c'est bon ? Oui. Ensuite, il y a le 3. Le 3, c'est l'éducation physique et sportive avec 3 CCF. Le CCF 1, le CCF 2 et le CCF 3. Alors, combien en fait-on en classe de première ? Un CCF en ESC, un CCF en anglais, un CCF en EPS. Donc là, vous avez déjà rien que là, il y a beaucoup plus de CCF qu'en classe que pour obtenir le BEP. Ok ? Alors, après, il y a une épreuve 4. Alors, l'épreuve 4, il y a une partie bureautique, c'est le CCF 1. Il y a une partie physique. Alors, c'est le CCF 2, il me semble. Et il y a une partie bio-écologie, c'est le CCF 3. Et tout ça, ça se passe uniquement en classe de terminale. Donc, dans l'épreuve 4, il n'y a pas de CCF en première. Par contre, la dernière épreuve, c'est l'épreuve E7. Alors, celle-là, elle est très, 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 très importante, cette épreuve. Il y a 5 CCF dedans. Et, alors, je vais aller jusque-là, mais une fois que vous aurez fait vos 5 CCF, il faut absolument avoir 10 de moyenne. Puisque ça correspond aux matières professionnelles, en quelque sorte. Si vous n'avez pas 10 de moyenne, vous ne pouvez pas aller au repêchage au bac. Ça veut dire qu'il faut avoir votre bac du premier coup, ou alors vous êtes boulé du premier coup. Donc celle-là, elle est très très importante. Alors, il y a 5 CCF, j'ai dit. Donc le CCF 1, il se fait en classe de première. Je crois qu'il est plutôt en fin de classe de première. C'est tout ce qu'on appelle l'aménagement du cadre de vie. C'est toi, Angie, qui va aller en aide à domicile, tu nous as dit. Donc tu vas voir, quand tu vas chez une personne âgée, ben voilà, qu'est-ce qui peut être fait pour aménager son cadre de vie, pour éviter la solitude, pour éviter les chutes, les accidents électriques, etc. etc. Donc ça peut être, je ne sais pas, supprimer une barre de seuil par exemple, parce qu'il y a besoin d'avoir un fauteuil. Ça va être comment aménager une chambre au rez-de-chaussée parce que la personne âgée a du mal à se déplacer. Vous connaissez, non, je pense, les baignoires adaptées aux personnes âgées avec des... Comment on appelle ça ? Avec des portes, enfin voilà, c'est tout ça, d'accord ? Tout ce qui règle aussi électricité. Vous savez, j'imagine qu'on ne met pas une prise à côté d'un point d'eau, il y a une certaine distance, enfin voilà, vous allez étudier tout ça. Après, il y a il y a un CCF2 qu'on fait aussi en classe de première, d'accord ? Alors, rouge, classe de première, voilà. Ça, c'est un TP. C'est un TP santé. Ici, c'était cadre de vie. Donc, ça va être déjà 2 en classe de première. Le CCF 3, ça, c'est en classe de terminale. C'est ce qu'on appelle l'action pro. Donc, ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous verrez ça en fin de première. On vous expliquera comment ça se passe. Le CCF 4, c'est... Ah, attention... L'anglais pro, donc en lien avec l'action pro, ces deux-là vont ensemble. Et pour terminer, celui que vous faites également en première, c'est le CCF 5. On en a parlé tout à l'heure, c'est le MAP. D'accord ? Donc ce qui fait que sur l'année de première, vous allez passer 6 CCF qui vont compter déjà pour le bac.
Et en classe de terminale, donc il en restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 6 et 10. Ok, pour les CCF de première, est-ce que vous avez des questions? Non. Merci, Angie. Alors, en plus de ça, et ça on vous l'expliquera en fin d'année, puisque vous avez vu que sur le planning, vous avez dit un stage projet pro en fin de première pour préparer son stage examen, il y aura une autre épreuve, là, c'est le 6, là c'est le rapport de stage avec un oral, un écrit, etc. Puisque évidemment, en fin de terminale, il y a aussi des épreuves terminales. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Les terminales de cette année, ils allaient passer quoi comme épreuve? Que vous avez entendu parler des épreuves terminales. À votre avis, quelles matières ils peuvent passer? Qu'est-ce qu'il n'y a pas, allez, qu'est-ce qu'il n'y a pas sur le tableau? En matière. Comme matière et que normalement on retrouve dans tous les cursus scolaires. Français. Il n'y a pas de français. Donc effectivement, en épreuve terminale, c'est-à-dire que tout ça c'est fait ici à la maison familiale, il y a des notes, d'accord? Et ensuite, au mois de juin, normalement ils allaient à Châteaulin, passer Châteaulin ou Morlaix, ça dépend des années, je crois que c'est Châteaulin maintenant, ces dernières années. Ils allaient à Châteaulin ou à Morlaix et puis ils ont un sujet, ils potassent sur leur sujet. Donc il y a effectivement l'expression, le français. Ça c'est une épreuve. Qu'est-ce qui manque encore comme matière là-dessus? Les maths. Alors effectivement, il y a une épreuve terminale en mathématiques. Il manque quoi d'autre? L'histoire et la géo. L'histoire et la géo. Et il manque une matière pro. Qu'est-ce que vous avez comme matière professionnelle? Qu'est-ce que vous faites comme matière, voyez, quand on parle de P1, P2, P3, qu'est-ce que vous étudiez? Il n'y a pas de matière professionnelle. P3, très bien. Et c'est quoi, ça correspond à quoi? Alimentation, ouais. Sur les différents types de structures, les publics qui sont accueillis, les besoins de ces publics, comment on répond à ces besoins. Vous n'avez pas fait ça du tout cette année? Si, un peu. Avec un peu. Avec qui? Avec Madame Leborg. Et comment s'appelle sa matière, Madame Leborg? ESF. ESF, très bien. Donc ici, on dit ESF, mais ça sera une analyse technique. Donc il regroupe les matières pro depuis la classe de seconde. Donc c'est souvent une étude de documents. C'est ça. D'accord, avec, je ne sais pas, on dit que vous travaillez par exemple dans un centre de loisirs. Je vais prendre cet exemple-là. Un EHPAD. Ouais. Voilà, vous travaillez dans un EHPAD, vous êtes animatrice, vous devez organiser une animation pour un public de personnes âgées dépendantes ou pour un public de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ben, on va vous demander, par exemple, ben, qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer? Donc, il y aura des textes, il y aura des réponses. On va vous demander quels sont les besoins particuliers de ces personnes-là, donc il y aura des textes, puis vos connaissances. On va vous demander d'imaginer une animation, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces personnes en lien avec leur pathologie. D'accord? Donc ça c'est la matière pro, d'accord, l'ESF. Et puis pour terminer, bah, il y a une épreuve sur le stage-examen. Voilà. Donc là, c'est un rapport de stage sur le stage que vous avez fait, avec une partie écrite et une partie orale. Alors, les CCF comptent un petit peu plus, parce que... J'adore, il y a plein de couleurs, moi j'ai jamais de crayon. Alors, si je fais tout ça, là... Tout ça, là, ça fait un total de 11,5 coefficients. Et ici... Tout ça, ça fait un total de 9,5 coefficients. Donc ça veut dire que la partie CCF faite ici à la maison familiale est plus importante que la partie épreuve terminale. D'accord? Il y a plus de coefficients ici. Après, là on aura l'occasion de vous en reparler là, en fin de classe de première, mais voilà, pour être, nous on dit, pour être tranquille, un élève qui va au bac, il faut qu'en CCF, il ait une moyenne de 12-13. Si en CCF, vous avez une moyenne de 12-13, normalement,
Voilà, vous êtes tranquille pour aller à l'examen, ça veut dire que vous avez travaillé régulièrement puisque vous avez une bonne moyenne. Donc, normalement, vous ne pouvez pas vous planter en épreuve terminale. C'est étonnant, un élève qui a 13 de moyenne en CCF, voilà, il arrive à avoir des notes tout à fait correctes en épreuve terminale. Ok ? Donc, l'année prochaine, on a dit combien de CCF, Angie ? 6. À peu près dans toutes les matières, hein, les matières d'enseignement général et des matières professionnelles. Est-ce qu'ils sont répertoriés sur le calendrier, ces CCF ? Hein, la majeure partie a lieu plutôt en fin d'année, plutôt au mois de mai, juin. Okay ? Et puis après, bah, le reste, voilà, c'est en fonction... Oui, à la mi, madame, voilà. Le TP santé a lieu au mois de janvier. Voilà, l'oral en mars, le 7, ici, hein, le MAP, c'est le MAP ici, voilà, au mois de mars, l'ESC en mai, le cadre de vie en mai, le PS en juin, l'anglais en juin. Ah oui, puis alors il y a l'épreuve de mobilité, je n'ai pas pensé à parler de celle-là, c'est pour ça qu'il manque un coefficient. Ici, je vais la rajouter là, tiens. Le 8, c'est une épreuve facultative. Elle n'est passée que par les élèves qui iront en stage Europe. Donc, par exemple, si je prends la classe de terminale cette année, quand ils étaient en première, ils sont allés en stage Europe, que vous allez faire normalement. Il y en a une qui n'a pas pu partir. Donc, elle n'a pas passé cette épreuve, puisque c'est une épreuve facultative. Toutes les autres épreuves sont obligatoires. Okay. Il n'y a que sur le PS où on peut avoir une dispense, dans ces cas-là il y a un CCF de remplacement, mais on ne peut pas dire je ne peux pas passer la bureautique par exemple, c'est pas possible. Okay. Il n'y a que cette épreuve-là vraiment qui est facultative, donc ça veut dire que si un élève ne part pas en stage Europe, il n'est pas pénalisé. On ne va pas lui mettre zéro, il n'a pas été, il ne fait pas le CCF, point final. Et ça c'est en première, donc je vais lui mettre en rouge. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est pas trop compliqué ? De toute façon, ça sera repris avec M. Lebras en début d'année, l'année prochaine, parce qu'il y a de grandes chances que ce soit M. Lebras qui soit responsable de la classe de première. Donc il vous réexpliquera tout ça, hein, et vous aurez sur votre calendrier d'année, voilà, vous aurez vos CCF de positionner, parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait le PEM et le PEP ne sont pas faits pour eux, donc il peut encore y avoir des modifications, mais normalement, ça doit se faire à peu près comme ça. Ok ?